Bonjour, nouveau morceau, blues. Ce nouveau morceau, je vous le joue une première fois. Un, deux, trois. Vous observerez qu'à la main droite, je joue toujours la même chose. Je joue une succession de quatre notes, si, ré, mi et ré à nouveau. Et lorsque j'arrive à cette quatrième note, je laisse mon doigt en place, hein, de la façon suivante. Cela vous évite d'avoir à penser à cette main droite, hein. Donc déjà, dans un premier temps, il faudra vous entraîner à jouer ce motif. Pouce, doigt numéro 1, doigt numéro 2, doigt numéro 1. Plusieurs fois de suite. À côté de ce motif de la main droite, il y a ce que j'appelle le motif à la main droite. Je vous le joue une fois. Ce motif sera toujours le même, sera toujours constitué de la même façon, quelle que soit la place où on le joue sur le clavier. Il y a trois places. La place du sol, ré, la place du do, sol, et la place du ré, la. Tout est indiqué sur vos feuilles. Ce motif, sol, ré, sol, ré, sol, mi, sol, ré, sol, mi. Sol, ré, sol, mi, ré, doit être joué au départ deux fois de suite. Première fois. Deuxième fois. Pour commencer le morceau, on commence toujours par la main droite. Et vous jouez le motif à la main gauche sur la quatrième note de la main droite. Deuxième fois. À ce niveau-là, ma main gauche va bouger vers la gauche du clavier et vous allez jouer do sol. Avec l'alternance sol, la, sol, la, sol, la, sol. Je recommence depuis le début. Sol, ré. Sol, mi. Deux fois. Première fois. Deuxième fois. Pendant que je joue ma main droite, je déplace ma main gauche. Do, sol ou le la, que je joue une seule fois. Ensuite, je retourne à la position initiale, sol, ré. Je joue le motif une fois. Ensuite, je change mon motif et je vais faire ré la. Et je retourne au motif initial sol ré. Alors, si j'analyse un petit peu les motifs, la façon dont ils sont écrits sur la feuille, je vous rappelle une nouvelle fois que les notes superposées sur les feuilles sont jouées en même temps, hein. Le premier motif, par exemple, si je le joue, sur vos feuilles, c'est marqué sol ré, sol mi, sol ré, sol mi, sol ré, sol mi, sol ré. Il faudra bien sûr apprendre le rythme normal, le rythme prévu. Et le jouer correctement. L'enchaînement des motifs à la main gauche, c'est d'abord, si je prends sol ré avec l'alternance mi, deux fois de suite. Deuxième fois. Ensuite, je bascule ma main vers la gauche et je joue cette fois-ci le deuxième motif, do sol, en alternance avec le la. Une seule fois. Je retourne à sol ré. Une seule fois. Ré la en alternance avec le si. Et je retourne à sol ré. Je répète cette main gauche. Sol ré en alternance avec le mi deux fois. Encore. Do sol. Sol ré.
morceau une fois lentement avec la main gauche, vous devrez le faire en classe deux fois de suite. Je déplace ma main gauche. Lorsque je recommence une deuxième fois le morceau, mes mains ne bougent pas. Deuxième fois. Bien sûr, cela sera à jouer sans s'arrêter. Je vous joue maintenant ce morceau deux fois de suite, vitesse normale. 1, 2, 3. Deuxième fois. Bon travail et à bientôt.